Ça, c'est les ravages des feux de forêt. On regarde la base des arbres, là, ils sont tous calcinés. Enfin, c'est vraiment un feu de forêt qu'il y a eu sur vraiment une grande superficie ici. C'est fou, là. Je pense pendant 50 minutes, je roule. Puis c'est que des arbres morts. Sur la route, j'étais pas sûr si c'était des feux de forêt, mais en arrêtant ici, on voit bien que toutes les bases sont brûlées puis qu'il y a eu des travaux qui ont été faits pour essayer de maintenir les feux. Mais le bon côté des choses, les feux de forêt, c'est que la nature prend le dessus. Il y a des petits fruits à grandeur du terrain. Des bleuets partout, partout. C'est bon, mais en même temps, c'est pas bon. Spot aujourd'hui. Ben, en fait, c'est pas mon spot. Ah bon. Ça s'appelle Cap Ferry. C'est sur le bord du fleuve, évidemment. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir ça. Je vais m'amuser à prendre des photos. Ça a l'air vraiment d'un. Genre un ruisseau, une petite rivière qui coule le long des rochers. Mais je suis pas sûr. Fait que je vais le découvrir en même temps que vous autres, mais c'est pas vrai parce que quand vous autres vous allez le voir, moi ça va faire longtemps, je vais être revenu à la maison. Mais on va le découvrir ensemble pareil. J'arrive dans quelques minutes. Il y a l'explication de la formation de ce calcaire-là. Je vais, en tournant de bord tantôt, je vais arrêter au panneau pour y lire en faisant pause sur la vidéo. C'est sûr que je pourrais l'expliquer, mais c'est plus crédible quand ça vient d'un panneau. Avoir un débit d'eau un petit peu, pas une libido, mais un débit d'eau un peu plus élevé, mais je sais pas si je vais y arriver, s'il y en a, je vais marcher encore un peu. Lève là, bon, 20 minutes ou une demi-heure de marche. C'est pourquoi je suis venu.
prendre des photos de ça. Shores 1 month ago, I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound, I was no more. Indian, a far month ago, I was sailing across the blue. The waters teemed with violent storms to send my boat untrue. Atlantic bound, I was no more. Indian, a far off. Comme promis, l'explication de cette croûte terrestre qui est sortie du sol est ici. Donc, si vous voulez, ce sera plus simple. Juste faire pause sur la vidéo. Puis, vous avez droit à une petite lecture gratuite de la part de Parc Canada, gouvernement du Québec et les équipements coop. Now apart from silver stars at dark, I could not tell my way. Mon nouveau spot pour la nuit. Je suis à Rivière-au-Tonnerre. J'espère qu'il n'y aura pas de tonnerre. Je me reproche. Fait que, ouais, dans ma cour, ben, j'ai le fleuve encore, avec une plage. Mais comme il fait pas soleil, on dirait que la température a chuté, fait que j'essaierai même pas de me mettre les pieds dans la piscine, dans le fleuve. Ou la mer, rendu là, parce que je vois toujours pas l'autre côté. Je pensais que je verrais comme la péninsule de la Gaspésie, mais non, toujours pas. Fait que, ouais, bien satisfait de mon autre spot. Là, j'ai faim. Je vais prendre une bière. Why don't you lose me into your night? Pacific, why do you hold me? Why do you keep me to a war or a crime? Why don't you lose me into your night? This night is over, I will guide you home.